Sochaux 11e accueille Rodez 16e. Deux formations qui ont la mauvaise habitude de ne pas gagner ces derniers temps. Une victoire sur les 12 derniers matchs pour Sochaux, une victoire sur les 8 derniers matchs pour Rodez. Autant dire que ce match peut valoir très cher pour les deux formations. Lors du premier match de la saison entre les deux équipes, Sochaux avait gagné 2-0 sur le terrain de Rodez. Les Ruthénois vont essayer de rendre l'appareil aux Sochaliens. Première possibilité néanmoins pour les joueurs locaux avec ce ballon légèrement au retrait. Le tir contré, deuxième chance, c'est sauvé sur la ligne. Première frappe de Sofiane Diop. C'était très dangereux mais ça ne passe pas. Une nouvelle chance sur coup franc. C'est enroulé juste au-dessus. Dommage pour Sofiane Dahame qui était l'auteur de la deuxième frappe sur l'action précédente. Puis sur ce coup franc 0-0 à la mi-temps. Sochaux a plutôt dominé mais Rodez a tenu. En seconde période, les Ruthénois vont devoir en faire un petit peu plus pour s'en sortir. Et pourquoi pas sur un ballon de contre-attaque. Il y a de la place sur le côté droit. Valentin Henry peut donner dans la surface. Le tir trop croisé pour Ayoub Wafsa. Première possibilité du match pour Rodez. Ça donne des idées aux joueurs de Laurent Perlade. Avec cette fois-ci un débordement côté gauche. Wafsa dans la surface. Le ballon est dans le but. 69e minute. 1-0 grâce à cette percée d'Ayoub Wafsa. Troisième but de la saison pour Wafsa. Rodez mène 1-0 sur le terrain de Sochaux. Les Sochaliens se sont fait surprendre. La première période était meilleure. La deuxième est plus difficile. Mais ce but donne un petit peu d'allant aux Sochaliens. Ils ont besoin au moins d'égaliser. Bonne tentative d'Abdoulaye Sané. Mais c'est à côté du but gardé par Arthur Desmas. Nouvelle possibilité dans la surface. Le ballon est difficilement contrôlé. Accrochage. On joue les arrêts de jeu de cette partie. Et il y a bien un tirage de maillot sur Brian Lasme. Jérémy Livolant s'élance et réussit à battre Arthur Desmas. L'égalisation sochalienne in extremis, 92e minute. Quatrième but de la saison pour Livolant. Omar Daf voit que son équipe réussit à s'en sortir de justesse. Un but partout entre Sochaux et Rodez.